Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour à tous les youtubeurs, bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook, bonjour à tous ceux qui sont sur Instagram, bonjour à tous ceux qui sont connectés sur la chaîne Victoire Live. Vous êtes la bienvenue. Alors nous arrivons à la dernière partie de cette conférence et cette dernière partie qui va se terminer en beauté puisque nous avons l'honneur et le privilège d'avoir une oratrice. Alors avant de mentionner son nom et son prénom, je vais juste faire un rappel quand même sur cet événement qui est la conférence Mindset et succès, la conférence Covid. Oui, Covid, qu'on a changé le sens du mot, le sens du terme, parce que tout est une question de perception. Et Covid, là, aujourd'hui, c'est pour dire la conférence des opportunités et des ventes en interaction et en distanciel. Voilà. Donc, ça s'adresse à qui cette conférence? Ça s'adresse à tous les entrepreneurs, à tous les porteurs de projets. Et on a été édifiés, on a été challengés, on a été vraiment poussés vers le haut à travers les deux personnes, les trois personnes même, puisque je m'inclus là-dedans, qui ont témoigné, qui ont fait effectivement hier et ce matin des interventions. Il s'agit de Guy Hinchault, qui nous a édifiés en nous parlant vraiment de surfer sur la vague en période de crise et qui nous a clairement dit que crise, ben, c'était opportunité. On a eu aussi le témoignage de Pascaline Montlouis, qui nous a vraiment édifiés avec, avec foi, en disant effectivement que la foi, en disant que même dans les difficultés, même au plus bas, effectivement, financièrement, en ayant la crise en plus qui est venue rajouter sa couche, ben, elle a pu faire un événement exceptionnel, elle a pu se réajuster, elle a pu se réinventer et ensuite se propulser. Voilà. Donc, c'est l'objectif de cette conférence. Toi qui es porteur de projet et qui a encore des doutes, je pense qu'à la fin de cette conférence, tes doutes seront évaporés, que tu passeras à l'action. Et toi, entrepreneur qui a déjà démarré, ben, les clés sont là pour que tu puisses maintenant te booster, te propulser. Voilà. Et on va continuer dans cette lancée. Et ce soir, comme je vous ai dit, on a l'honneur et le privilège d'avoir une oratrice d'exception. Alors, elle va se présenter elle-même. Il s'agit de Aurélie Alama qui est parmi nous et tout droit des Antilles en plus de ça. Bienvenue à toi, Aurélie. Hello, hello, hello tout le monde. Merci pour l'invitation. Bonjour, bonjour. Alors, Alors, Aurélie, tu est-ce que tu m'entends? nous entends bien? Est-ce que tout va bien de ton côté? Oui, de mon côté, ça va. Je ne sais pas si vous m'entendez par contre de votre côté. On Alors, m'entend pas. faiblement, on t'entend, mais faiblement. Est-ce que tu peux juste peut-être parler un D'accord. peu plus fort ou rajouter le avancer le micro? Alors là, je suis à fond. Je suis Oui, à fond, alors mais je vais parler un peu plus fort alors. ça va un peu mieux, effectivement, on t'entend un peu mieux. Est-ce qu'au niveau, je vais demander au niveau technique si ça va très bien? Parfait, parfait, parfait. Ben, à toi la parole, Aurélie. On est ensemble. Je te laisse te présenter. Qui mieux que toi peut te présenter? Ah, est-ce que tu nous entends Hello, bien? hello, hello tout le monde. Alors, Oui. je ne sais pas. Ah, si, si, moi, je vous entends. Je ne sais pas si de votre côté. Pas à me dire si vous ne m'entendez plus. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est figé. Je ne sais pas si. C'est bon, tu peux y aller. Bon? Parfait. Ok, d'accord. Parce qu'il y a des moments, ça coupe. Alors, ce qui se passe, c'est que sur ces deux derniers jours, il y a eu un peu de tumulte au niveau du temps. Donc, la connexion n'est pas superbe. C'est pas grave, mais on fera avec ce qu'on fera. On y arrivera. Je parlais, et puis ça tombe très bien parce qu'on parle du digital, on parle d'Internet. Donc, on va y aller. Alors, je Oui. disais qui je suis. Alors, je suis Yalama, comme tu l'as dit. Je suis entrepreneur depuis 9 ans maintenant. J'ai plusieurs sociétés que je gère et plusieurs clients. Dans quel domaine? Alors, j'ai un centre de formation agréé par l'État.
Et j'ai aussi une plateforme qui s'appelle Femmes Libères Ton Potentiel, qui est une plateforme qui accompagne principalement les femmes à l'entrepreneuriat et au leadership. Et mon centre de formation, par contre, on accompagne tout le monde de façon mixte, à tout ce qui est marketing, digital, communication, vente, etc. Alors, je vais parler un peu, comme tu as dit, mixer témoignages et un peu conseils, parce que l'année dernière, effectivement, alors les 2 dernières années ont été des années assez compliquées pour les entrepreneurs, hein, tout simplement parce qu'il y a eu, il y a eu le Covid, il y a eu le Covid et tous les business, comme on dit, dans le dur, ont été impactés par cette période de crise sanitaire et sociale. Et ceux qui ont réussi, comme je dis, ou qui en sont encore dans le tournant du numérique et du digital, ont pu s'en sortir. Ce qui a été notre cas, puisque le chiffre d'affaires a été multiplié par, je crois, plus de 20 chez nous, parce qu'on a pu, on a pu vraiment se saisir de l'opportunité. Alors, oui. Et toi, aujourd'hui, tu nous dis, vous avez fait x20, quoi. Mais c'est Alors, juste c'est plus incroyable, de quoi. voilà, c'est plus de fois 20 parce que en fait le fois 20 c'est sur une des sociétés et sur l'autre on a fait presque fois 52 quoi, c'est extraordinaire. C'est surtout Wow. vraiment des chiffres qui peuvent être vertigineux, mais après il faut comprendre qu'il y a vraiment une puissance dans le digital. Il y a vraiment une puissance parce que c'est la fenêtre sur le monde. Du coup, on n'est plus cloisonné à se dire, je vais vendre des produits dans ma ville ou dans mon département, dans ma région ou dans mon pays. On peut vraiment vendre des produits à des personnes qui se trouvent sur l'entièreté du globe. Et le souci, c'est que 80% du temps, on consomme les réseaux, on consomme Internet. On va sur Instagram, on va sur Facebook, on va sur YouTube et on consomme des vidéos, on regarde les posts de X, Y, Z, on essaie de faire un peu la mise à jour de qui a fait quoi, qui s'est marié, qui s'est fiancé, qui a doté qui. C'est très bien tout ça, mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a une puissance dans les... La plupart des personnes aujourd'hui s'enrichissent grâce à Internet. Ouais. La chose qu'il faut comprendre actuellement, c'est que les réseaux sociaux, même les grandes marques l'ont compris, hein, quand on regarde des marques comme Chanel, Dior, etc., elles passent par qui? Par le métier qui est un... Alors, le métier, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je vois que c'est vraiment un métier d'influenceur, puisque... Aujourd'hui, les marques signent des contrats. Ce sont des personnes qui ont des sociétés. Les vrais influenceurs ont des sociétés, hein, des sociétés immatriculées, déclarées. La preuve, ils s'exilent à Dubaï, c'est qu'ils payent trop d'impôts et qu'à un moment, ça devient tellement colossal qu'ils s'expatrient. Mais le métier d'influenceur est en plein essor à cause ou grâce, ça dépend de l'angle sur lequel on le voit, au digital. Et les grandes marques l'ont compris. Et passent de moins en moins par la télé parce que ils savent que les réseaux sociaux, c'est the place to be. Donc, moi, je me dis, j'ai pour habitude de dire toujours, d'observer ce que les grands de ce monde, entre guillemets, font. Et si ces grandes marques, je mets des guillemets parce que Oui, c'est quelque chose bien dans sûr. le particulier, hein, ce sont des personnes qui ont des grosses équipes de communication et marketing et qui savent où mettre l'argent pour pouvoir avoir des retours sur investissement. Et aujourd'hui, c'est principalement dans les influenceurs. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, et je ne parle pas juste d'Internet, je ne parle pas juste d'avoir un site Internet, d'être bien référencé dans Google, je parle vraiment des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut vendre avec tous les réseaux sociaux. On peut vendre avec WhatsApp, on peut vendre avec YouTube, on peut vendre avec Instagram, on peut vendre avec Telegram, on peut vendre avec tous les réseaux sociaux. Donc, s'il y a quelque chose que je dois dire ici, c'est arrêtons de consommer les réseaux et commençons à pouvoir prospérer via les réseaux. C'est Excellent, vraiment quelque chose que je excellent, voulais entendre. excellent. Et Aurélie, non, non, mais c'est très bien que beaucoup beaucoup puissent entendre cela. Il faudra même que tu le répètes. Arrêtons de consommer,
mais commençons à créer et à mettre en place aussi une économie basée sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et arrêtons de regarder ce que les autres font, faisons-le nous-mêmes. Exactement. Et l'un des secrets, et si ce n'est le plus grand, c'est de se former, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui sont des amateurs. Et l'amateurisme, je dis toujours qu'on peut être amateur. Ah. Par rapport à la personne, et la personne a un niveau d'autorité, et ce qui fait que on a toujours plus à gagner à être un expert. Donc, le premier secret pour réussir sur Internet, c'est de se former. De se C'est vraiment former, le programme, monsieur. Tu peux répéter ton expression sur l'amateurisme parce que ça a été coupé et tu as dit quelque chose sur l'amateurisme qui mérite d'être bien entendu. Je dis toujours que un expert est toujours mieux payé qu'un amateur, puisque le mot expert déjà donne une certaine autorité et un certain respect à la personne, au client qui vient en face. Pour la petite histoire, il faut savoir que, il y a ce qu'on appelle la loi des 10 000 heures. Pour devenir un expert dans un domaine précis, il faut avoir pratiqué 10 000 heures cette chose. En gros, si je veux être un expert en immobilier, il faut que je puisse avoir pratiqué 10 000 heures l'immobilier dans mon domaine. Si je ne sais pas, je vends des maisons, je suis mandataire immobilier, il faut que pendant 10 000 heures, je puisse avoir, enfin, je puisse avoir fait des achats, vente ou revente, etc. Bon, anyway, quel que soit le domaine, il faut avoir pratiqué 10 000 heures. Voilà. Excellent. C'est un principe, la loi des 10 000 heures. Alors, je ne connaissais pas l'expression, je ne connaissais pas en termes d'expression, mais pour le coup, je connaissais en tout cas ce principe sans le nommer de cette manière, quoi. Oui, alors c'est très bon. Ça, je l'ai pas dit hein, pour le coup, mais j'ai fait une reconversion en 2013 parce qu'à la base je suis chercheur en biothérapie et j'ai fait beaucoup d'études dans tout ce qui est cerveau, voilà, maladies neurodégénératives, etc., etc. Et il faut savoir qu'après 10 000 heures, il y a un changement physiologique dans le cerveau qui montre que vous avez compris que le cerveau a vraiment implémenté ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi vous êtes un expert. Votre cerveau a l'agilité pour faire cette activité que vous êtes en train de faire. C'est après 10 000 heures. Et ça, c'est prouvé scientifiquement que, voilà, si vous jouez au piano, après 10 000 heures, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Et à chaque fois que vous allez commencer à jouer au piano, la même chose va se répéter. Donc le cerveau, il a été pensé par un maître incroyable. C'est juste excellent ce que tu nous dis, Aurélie, parce que ce matin encore, je parlais aussi de l'aspect compétence, monter en compétence, et je disais que pour monter en compétence, il fallait répéter plusieurs fois, et à un moment donné, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a un don naturel de jouer au piano, mais s'il ne travaille pas ce don, il va jamais devenir le pianiste, il va jamais devenir l'expert, parce qu'il n'aura pas travaillé, quoi. Et là, tu prends un exemple qui est juste waouh. Excellent. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, le souci, c'est que l'entrepreneuriat est tellement en coupe que déjà les gens n'arrivent pas. Alors, moi, bon, je dis un peu ce que je pense. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je fais partie de l'école qui pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Parce que être entrepreneur, c'est vraiment. Alors, je dis toujours que c'est un appel. Hein. C'est comme un ministère, c'est un appel. C'est un appel, c'est une charge. C'est une charge. Et il faut être revêtu, en fait. Il faut un revêtement spécial pour le faire. Et il faut être solide psychologiquement, mentalement et physiquement. Parce que être entrepreneur, c'est régler des problèmes tous les jours. Chaque jour, je me réveille, je me dis, Seigneur, une nouvelle journée. Ça veut dire que même c'est à chaque jour suffit sa peine. Et je sais que dans cette journée, il y aura des choses qu'il va falloir régler. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est comme tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas être bishop, tout le monde ne peut pas être. Enfin, c'est un appel et il faut juste trouver sa voie. Et souvent, les gens arrivent parce que depuis quelques années, l'entrepreneuriat a le vent en poupe et on se dit c'est un effet de mode, c'est très bien, je vais être entrepreneur, je ne veux plus de patron. Mais moi, je ne suis pas de cette école qui pense que tout le monde peut l'être. Ça, c'est mon avis personnel, ce n'est pas une vérité absolue. Voilà. Et je crois que lorsqu'on a vraiment cette destinée, cet appel, la première chose, c'est comme tout,
C'est aussi, il serait aussi, je vais dire, effrayant, il serait qu'un chirurgien n'ait pas fait d'études et se dise, ah, tiens, je vais opérer quelqu'un. C'est aussi effrayant de se lever, de se dire, je vais être entrepreneur sans avoir pris le temps de se former. Parce que c'est un métier et chaque métier, ça s'apprend. Ça s'apprend et Complètement. y a des notions qui aujourd'hui, si on revient à la thématique, mon mentor me dit toujours, lorsque tu n'as plus d'idée de business, regarde, il y a des problèmes et trouve des solutions. Et c'est tu as une idée de business. Et Exact, je crois que le exact. Covid nous a montré que, un, il fallait savoir être flexible, il fallait savoir être en mouvement, mais qu'il fallait comprendre que, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, le Covid nous a montré, en fait, c'est comme si le Covid avait été une boussole pour nous montrer, hé les gars, mais c'est là où ça se passe. C'est Internet. Internet. Sauf que, y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les rudiments d'Internet. Hier encore, je disais à un jeune homme qui veut monter son business, tu as quelque chose que tu dois comprendre, c'est que les personnes qui aujourd'hui réussissent leur business ne sont pas forcément les meilleures dans le produit ou le bien qu'ils proposent, mais ce sont des génies de la communication et du marketing. Ouais. Aujourd'hui, si je veux dans mon business être parmi les meilleurs, il faut que je sois un génie de la communication ou du marketing. Il faut que je puisse être dans la communication digitale. Il faut dans la communication digitale. Je donne un exemple. Nous, avec les réels, on est sur du 250 nouveaux followers par semaine, sans faire de sponsoring, sans pousser les pubs, sans mettre d'argent, en fait, sans Oui, pousser, naturellement. Naturellement, c'est le nombre Voilà. de personnes qui vous suivent par mois en plus, c'est ça? Par mois en plus? Par semaine. Par semaine. Donc on a 1000 alors par mois du coup. Exactement, on a mis 15 000 followers il y a mi-mai et là on est déjà à 16 100 quelque chose. D'accord. Et sans payer, c'est vraiment la puissance des posts et la puissance des réels. Le réel, c'est un outil avec lequel on peut vendre. Il y a plein de personnes qui font des réels pour s'amuser avec à gauche, à droite, etc. Mais aujourd'hui, moi j'en fais, mais. Parce que derrière, il y a toute une stratégie de communication qui fait qu'aujourd'hui, on est sur de 200, 250 nouvelles personnes qui nous follow chaque semaine. Et derrière, ce sont des personnes qui seront reconverties, qui seront, pardon, converties en clients sur différents produits selon l'audit qu'ils auront avec une de mes collaboratrices, puisque derrière, on a une stratégie pour pouvoir les approcher, leur souhaiter la bienvenue et ensuite leur vendre un produit. Donc, il y a vraiment, vraiment de quoi faire, et surtout sur Instagram aujourd'hui, qui est vraiment de place to be. Wow. Alors dis-moi Aurélie, c'est très bien ce que tu dis et ça montre que les choses sont possibles, sont réelles à travers la communication, mais pas n'importe quelle manière. C'est-à-dire que c'est pas tout de faire les réels comme tu dis, mais derrière il y a une stratégie de prendre contact qui a un suivi derrière pour convertir. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie, il y a des étapes à respecter. Mais exactement, c'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est que quand on est entrepreneur, il y a une stratégie derrière. Parce que c'est comme une maison. Une maison, on ne peut pas la construire. Je dis toujours à mes clients que j'accompagne, votre business, c'est une construction. Et une maison, personne ne la construit sans schéma. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de plan. Vous êtes obligé d'avoir des plans pour construire votre maison. Donc si vous avez des plans pour construire votre maison, vous devez avoir aussi un plan pour construire votre business. Et le plan pour construire son business, c'est sa stratégie. Quelle est ta stratégie? Pourquoi tu postes? Quel est l'intérêt de ton poste? À quelle heure tu postes? À l'endroit de qui tu postes? C'est-à-dire tu cherches à atteindre quelle clientèle? Et souvent, on ne s'en rend pas compte que sur Internet, il y a tout le monde. En fait. Moi, je connais des gens qui ont plus de 60 ans qui ont Internet et je connais des personnes qui ont 17, 16, 15 ans et qui ont Internet. Donc aujourd'hui, c'est de savoir, deux tiers de la planète sont connectés. Je veux parler à qui, je m'adresse à qui. Et déjà, cette première étape-là n'est pas faite. Son persona, je veux parler à qui, je veux vendre à qui, à des couples, à des Ouais. mamans célibataires, à des papas, à des Ouais. personnes Eh mariées, oui. à des familles, etc. C'est tellement vaste et c'est tellement vague. Mais
Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est première chose, soyez formés et formez-vous continuellement. C'est pas je me forme. L'histoire du film, ben, ça a été tellement vite, les informations changeaient tellement que je crois que vous ne m'entendez plus. Il y a une coupure, mais ça va mieux là maintenant. Ok, d'accord. Alors, je sais que ça a été tellement vite. Mais ça a montré que, en fait, je ne peux pas me former un jour. Je dois me former tout le temps, lire tout le temps, savoir tout le temps ce qui va se passer. Voilà. Donc, la première chose, c'est se former et se former de façon permanente. La deuxième chose, c'est avoir un mentor. Si je veux faire du e-commerce, j'ai une personne qui fait du e-commerce. Il y a tout un chemin pour commencer. Voilà ce que je fais, du dropshipping, etc., etc. Donc, il faut avoir un mentor. Moi, comme je dis, je donne des clés, hein. Des clés, tu m'as dit, donne des clés simples. Je ne vais pas rentrer dans des choses d'analytique, de Google Ads, etc., etc. Mais dire que la deuxième chose, c'est, je dis toujours, si tu veux faire quelque chose, regarde quelqu'un qui l'a déjà fait et demande-lui Oui. comment il l'a fait. Tout simplement, moi, je dis, alors voilà, je veux utiliser Internet. Je ne sais pas comment faire, je vais chercher des entrepreneurs qui ont la force sur Internet et qui se disent et qui vont m'aider en fait, qui vont me dire, écoute, voilà, fais comme ça, je vais gagner en temps, je vais gagner en énergie et je vais aussi gagner en argent. C'est clair. Ensuite, comme je dis, ne pas avoir peur de trouver des solutions aux problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, ben, ne serait-ce que les gens qui vendent du gel hydroalcoolique ou des gants ou des masques, ben, ils font des millions aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé une solution à un problème qui était la pénurie de masques. Mais c'est tout simple. Ouais, tout à Il y a fait. des gens qui ont reconverti leur business. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de pouvoir bouger un peu la ligne de son business. Toujours dans ses valeurs, je dis bien toujours dans ses valeurs personnelles, spirituelles et émotionnelles. Mais il ne faut pas avoir. Moi, j'ai vu des personnes qui, pendant le Covid, vendaient quelque chose et se sont dit, mais là, je ne peux plus vendre telle chose. Bah, je vais me rediriger et j'ai vu un monsieur qui a finalement créé les appareils où on appuie sur une pédale et le gel il tombe dans les mains. Et à la base, c'est pas du tout ce qu'il faisait. Et il a pu en vendre à plein de magasins. Donc, il faut pas avoir peur de bouger un peu et d'être vraiment malléable. Et comme je dis et je le répète, toujours dans ses valeurs. Je ne vais pas aller vendre quelque chose parce que ah, c'est le Covid voilà. C'est exactement ça. C'est très important de rester quand même dans un principe, pas gagner à tout prix, mais gagner en maintenant ses valeurs en premier lieu, quoi. Et rester vraiment dans un cadre et ne pas sortir. C'est sortir de ce cadre tout en gardant ses valeurs. C'est la base Exactement. quand même. Exactement. En fait, il faut accepter de pouvoir avoir son business model qui évolue en fonction des obstacles, je vais dire, alors, parce que c'est vraiment le mot, et des inconvénients ou des choses qui vont apparaître sur le chemin auquel on n'aurait pas pensé. Il faut accepter de faire évoluer son business model et de ne pas être rigide. C'est Oui. encore un exemple. Toutes les personnes qui avaient des business dans le dur et qui étaient non essentiels ont dû basculer sur Internet durant le cours en disant on va ouvrir une page Instagram, on va ouvrir un YouTube, on va ouvrir un Facebook, etc., etc. Donc il faut vraiment avoir cette façon d'être malléable et de se dire on va faire évoluer le business aussi en fonction de ce qui se passe parce que l'environnement politique, géopolitique, l'environnement social, l'extérieur aussi va impacter notre business. Complètement, oui. Voilà pourquoi Très je dis que bien. ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est tout le monde peut être tout le monde peut entreprendre, comme j'aime bien dire. Tout le monde peut entreprendre, mais c'est l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Exactement. Non, mais c'est vraiment exactement ça. Alors, si je devais donner un troisième conseil, donc j'ai dit le premier, c'est se former, le deuxième, c'est avoir un mentor, le troisième, c'est choisir une chose et de rester focus dessus.
En gros, j'ai des personnes qui viennent qui me disent, voilà, je veux un site internet, je veux un Facebook, je veux un YouTube, je veux ci, je veux ça. Sauf que, en fait, c'est comme un tuyau percé. On est partout et on est nulle part. C'est Ouais. vraiment de faire le choix sur internet, de se dire, ma cliente, si je vais le trouver où? Il y a des gens qui n'ont rien à faire sur YouTube parce que c'est pas là où ils vont trouver leur client. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont trouver leur client via YouTube. En fait, il faut vraiment prendre le temps de se poser, de se dire, moi, je vends quoi et à qui je veux le vendre et où je vais trouver ces personnes-là. J'ai des clients, je leur dis, mais c'est normal que ton business ne fonctionne pas puisque tu es sur YouTube alors que tes clients sont sur LinkedIn. Donc, Complètement, il tout à faut fait. savoir aussi trouver le bon canal parce que des réseaux, il y en a plein. Il y en a plein. Et il ne s'agit pas Oui. d'être sur tous les canaux parce que premièrement, on s'épuise et deuxièmement, on est moins crédible parce qu'on est un peu partout à la fois et être un peu partout à la fois, c'est montrer derrière les personnes qu'on s'éparpille, surtout quand on n'a pas encore commencé à percer dans un domaine, quoi. Très bien. Exactement. Et c'est montrer aussi qu'on est un amateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je préfère avoir une belle page LinkedIn claire que de me dire bah, je vais aller sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et tout est fait à moitié. Donc, je préfère développer un réseau lorsqu'il est bien développé, développer un autre et finalement aller step by step. La quatrième chose, c'est je parle du site Internet. Aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs qui ont des sites Internet. Alors, moi, un ami m'avait dit une fois, c'est bien beau d'avoir un site Internet, mais s'il est en train de végéter avec les milliards de sites Internet qu'il y a, ça ne sert à rien. Donc, avoir un site Internet, c'est bien, hein, puisque là, on parle du Covid, on parle de tout ce qui est digitalisation, donc c'est très bien. Par contre, avoir un site Internet sans stratégie derrière, ça ne sert à rien. Donc, il ne faut pas faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord commencer par se dire quelle est ma stratégie et comment je vais attirer des clients. Parce que personne ne se lève un matin en se disant, ah ben tiens, je vais acheter des produits à Aurélie et à Nama. C'est pas vrai. C'est très rare. Sauf si on arrive à une renommée incroyable. Mais aujourd'hui, ça arrive, ça m'arrive, mais c'est 10% de mes clients. Et si je m'arrêtais que sur ces 10%-là, je ne vivrais pas de mon activité. C'est de se dire, un site internet, c'est bien toute la digitalisation, mais d'abord mon plan, d'abord ma stratégie. Donc, la clé numéro, donc j'ai dit le mentor, se former, chercher le bon canal. Et quatre, c'est vraiment avoir une stratégie. La stratégie, ouais. Alors, quand tu parles de stratégie, bon, tu disais la stratégie pour le site internet, et c'est la stratégie pour que le site internet soit visible et soit, on va dire, sur les premières pages et les premières lignes de Google, ou tu parles d'une autre stratégie que celle-ci? Non, je parle d'une autre stratégie. Donc, ça, tout ça va être le référencement. Donc, le référencement en soi, il y a des boîtes qui le font, etc. Mais c'est toute la stratégie qui va faire que un client qui arrive sur mon site, enfin, un prospect qui arrive sur mon site sera Oui. converti en client. C'est la façon dont je D'accord. vais faire. C'est sur le site, il y a ce qu'on appelle les zones froides et les zones chaudes. C'est les premiers, les yeux, de façon instinctive, vont à certains endroits du site. Sur les zones chaudes, il faut que je mette les informations les plus importantes. Dans mon arborescence, il faut que les informations soient à maximum 3 clics du prospect, etc. C'est lorsque le prospect arrive sur le site, est-ce qu'il y a un numéro? Lorsqu'il appelle ce numéro, quel est le discours qu'on va lui donner? Est-ce qu'on lui fait un audit? En fait, c'est toute la stratégie qu'il aura pour convertir mon prospect et le faire passer et devenir un client. C'est toute cette Ok. stratégie qui va faire que je vais passer d'un simple produit à une marque forte. C'est ce que j'appelle aussi, et ça fait intervenir le branding, le personal branding, le storytelling, le copywriting. Ce sont plein de stratégies comme ça de marketing et de communication qui vont être en plus du site internet et qui vont permettre que, en fait, le site internet, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. Moi, sur mes 2 premières années, je n'avais pas de site internet, pourtant je vendais. Le site internet, c'est une branche de l'arbre, c'est pas l'arbre lui-même. Ok, ça c'est bien à retenir, hein. C'est une branche de l'arbre. Ça veut dire qu'il faut multiplier les branches pour que l'arbre soit constitué. Exact. Exactement. Et il y en Et a l'arbre. beaucoup qui se reposent que sur une branche et qui pensent que c'est l'arbre et qui ne voient pas les choses avancer ou pas comme ils souhaiteraient.
parce que ils ont oublié qu'il y avait d'autres leviers à mettre en place et à travailler complètement. Exactement, mais c'est ce que j'ai dit, hein. Numéro un, c'est se former parce que tout cela, on apprend lorsqu'on se forme. C'est lorsqu'on Ouais, se forme, ça, moi. c'est la base de tout. La formation, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, Aurélie, dis-moi, toi aujourd'hui, tu dis effectivement que c'est la base de tout, mais est-ce que tu trouves qu'il est possible de se former quand on démarre et qu'on doit aussi gagner, on va dire, être profitable, gagner, on va dire, ben oui, vivre, gagner de l'argent, on va dire, hein, pour faire simple, quelqu'un qui démarre, est-ce qu'il a le temps de consacrer cette formation ou il doit se dire qu'avant de se lancer, il se forme? Alors, pour moi, comme je disais, lorsque je parle de formation, c'est pas forcément retourner sur les bancs de l'école et faire 2 ans BTS ou un master, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment se dire, voilà, là, il y a un séminaire, j'y vais. Ah ben là, il y a samedi, il y a D'accord. une conférence, j'y vais. Ah ben tiens, là, il y a un D'accord. livre qui est sorti sur les dernières techniques de marketing, je vais le prendre, je vais le lire le soir avant de dormir. C'est pas forcément prendre des formations de 6 mois et puis, du lundi au vendredi, s'asseoir dans un centre de formation, non, pas du tout. Parce que le chef d'entreprise, il doit être dans son corps de métier et faire ce pourquoi il va ramener de l'argent dans la société. Donc, Complètement. voilà, lorsque je parle de formation, j'en vois à droite, à gauche, rester alerte à ce qui se passe, aux nouvelles techniques. Et je crois personnellement, comme je dis, c'est pas encore une vérité absolue, hein, c'est vraiment ma façon de voir et de voir les choses, c'est que le chef d'entreprise doit le faire de façon permanente. Lire tout le temps un livre, tout le temps, voilà, savoir être au fait des nouvelles stratégies. Et pour répondre aussi à la première partie de ce que tu as dit, c'est que le chef d'entreprise va se plafonner à un moment s'il n'a pas les connaissances nécessaires. C'est comme un chirurgien. Il sera pas efficace s'il n'a pas fait d'études. Et même les techniques de chirurgie évoluent. La chirurgie, il y a 10 ans, quand moi j'ai fait mes études, et la chirurgie maintenant, ça a évolué. Donc le chirurgien est obligé de se mettre à jour tout le temps, sinon il va opérer les gens avec des techniques ancestrales. Parfait, parfait, parfait. Excellent, excellent. D'ailleurs, dans le chat, je vais te poser quelques questions. Mais avant de te poser ces questions, moi-même, je vous laisse te dire que toutes les personnes qui nous suivent, ben déjà, c'est une très bonne démarche. Votre démarche, elle est là. C'est indirectement, vous vous formez par les clés qui sont données par quelqu'un qui chemine, en tout cas, vers un développement d'entreprise, qui est Aurélie Alama. Qui vous donne des bons conseils. Donc déjà, c'est très bien d'être présent ici par rapport à cette conférence et de continuer à vous alimenter par d'autres événements où vous vous formez. Et comme elle a si bien dit, Aurélie, se former, c'est pas reprendre des études, c'est pas se retourner sur les bancs de l'école, mais c'est écouter des personnes inspirantes, écouter des personnes qui vous impactent et qui vous donnent des clés. Voilà. Et des personnes à qui vous pouvez aussi poser des questions. Et on va passer aux questions, Aurélie, si tu le veux bien. J'ai deux, trois questions qui sont sur le chat, là. Alors, il y a une personne qui est très curieuse. Alors, tu en as un peu parlé, mais la personne, elle a dit, comment tu t'es formée, Aurélie? À quoi tu t'es formée, Aurélie? Quelle formation as-tu suivie? Alors, je ne sais pas si c'est ta formation initiale qu'elle veut poser ou ta formation liée à l'entrepreneuriat. Je ne pourrais pas te dire, j'ai pas plus de détails, mais quelle formation as-tu suivie, Aurélie? Alors, je répondrai aux deux comme ça va avec. Ma formation universitaire, comme j'ai dit, c'est je suis ingénieur de recherche en biothérapie. Voilà, c'est le but, c'est vraiment de travailler en tant qu'ingénieur de recherche dans les structures comme le CNRS, l'INSERM, etc. Bon, maintenant, en tant qu'entrepreneur, j'ai des certifications, donc il y a des centres de formation qui sont agréés par l'État. Et qui propose des formations ponctuelles. Voilà, moi j'ai fait 2 certifications cette année, une certification sur le leadership et une certification sur l'intelligence émotionnelle. Je lis des livres, donc chaque mois je lis au moins un livre. Ça peut être un livre sur les neurosciences et le business, comment fonctionne, comment utiliser son cerveau pour le business, le personal branding, le copywriting. En fait, j'ai toujours un livre à la main qui me permet de savoir ce qui se passe. Donc c'est ce que je dis, les livres. Et puis il y a aussi, alors c'est vrai que là, on sort de 2 années où on n'a pas eu de conférences, mais j'ai aussi des conférences où je vais, si je vois des conférences d'entrepreneurs, des conférences avec des thématiques particulières sur Internet. Alors aussi, comme je dis, l'anglais, c'est vraiment un plus, de pouvoir regarder des conférences en anglais ou en français ou dans une autre langue.
mais de pouvoir assister. Et puis, il y a énormément, il y a eu pléthore de conférences gratuites sur les réseaux et on a encore des webinaires. Je suis aussi beaucoup de webinaires, les webinaires des autres, voilà, sur voilà, les techniques, les newsletters, comment avoir une newsletter qui convertit, etc., etc. Donc, ça se trouve très, très facilement parce que ce sont des personnes qui font du sponsoring sur les réseaux et qui arrivent à nous targeter très, très facilement. Donc, regardez vos fils d'actualité. Il y a souvent des webinaires, il y a souvent des choses comme ça. Et c'est très simple. Donc, voilà. Oui, des webinaires. J'ai fait des webinaires. J'ai fait deux certifications cette année avec une société américaine. Et je lis des livres tous les mois. Voilà. C'est. Waouh. Alors, il n'y a pas de secret, hein. Ça passe par la formation, l'auto-formation, et puis toujours en action, quoi. Exactement, mais c'est exactement ça, toujours en action. Le chef d'entreprise, il est toujours en action, toujours. Parfait. Alors, au niveau d'autres questions, au niveau du Covid, effectivement, vous t'as expliqué que ben, c'est l'ouverture vers le monde dans le sens où vous avez élargi le digital, c'est ça, hein, c'est pas se limiter à une zone, mais c'est délimiter et passer au côté illimité et puis toucher beaucoup plus de personnes. Et est-ce que tu penses qu'il est encore possible de se lancer alors qu'il y en a beaucoup qui sont déjà lancés dans le digital, qui sont lancés sur Internet? Comment se démarquer d'eux si on veut se lancer maintenant sur le digital avec 1 an, 2 ans ou 3 ans de retard? Okay. Alors, moi, je dirais pas retard parce que je crois qu'il y a, il y a pas de retard. Il y a pas de retard. Mais je dis toujours, c'est les clients vous achètent vous, ils achètent pas un produit, ils vous achètent vous. Et ils achètent votre histoire, votre émotionnel. Il faut savoir que on achète par émotion. Voilà. D'accord. On achète pas avec, on achète par émotion. Et lorsque vous suscitez une émotion en quelqu'un, elle achète. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, les femmes, elles connaissent, hein, c'est que quand les femmes ont un petit coup, un petit passage à vide, elles aiment bien faire du shopping et tout de suite, elles se sentent mieux. Ça montre qu'il y a un émotionnel qui est lié à l'achat. Et si vous arrivez à déclencher une émotion chez l'autre, vous arrivez à le faire vendre, à, pardon, à le faire acheter. Alors, comme je dis, comment faire et se dire, est-ce que je suis en retard? C'est juste se dire, mais quelle est mon histoire? Et qu'est-ce que je veux ajouter? Quelle est ma plus-value? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va acheter chez moi plutôt que chez les autres? C'est certainement l'histoire que je vais raconter. C'est la façon dont je vais communiquer. Et le client va être fidélisé, va être attiré par la façon dont je vais lui parler. Parce que chacun a une façon de s'exprimer. Et je donne un exemple, des jus, il y en a plein sur le marché. Mais pourtant, chacun a je regarde Coca et Pepsi, bah, il y a des gens qui sont team Coca et d'autres team Pepsi. Parce que c'est deux histoires différentes, ce sont deux choses différentes, etc., etc. Donc, c'est connaissez votre histoire, votre identité et dites-vous, ça, c'est ma plus-value. Et donc, je dois communiquer avec ma plus-value. C'est ce que moi, j'apporte. C'est ma force. Quand j'ai commencé il y a 3 ans, Femmes Libères Ton Potentiel, on m'a dit, ah, des plateformes de femmes, il y en a plein. Sauf que oui, il y en a plein. Mais moi, j'ai une histoire qui est différente des fondatrices des autres plateformes. Et aujourd'hui, j'ai plein de personnes qui me disent, je viens vers toi parce que ton histoire m'a touchée. Comme elles iraient sur notre plateforme en disant, je viens vers toi. Et j'en ai qui me disent, je viens vers toi parce que j'aime ton tempérament, tu es vive, tu dis les choses, on avance vite, etc. Comme il y a des gens qui vont me dire, j'aime pas parce qu'elle est trop vive, elle a un tempérament. Où elle dit trop les choses, etc. Donc, il y a pas de souci avec ça. C'est de savoir sa valeur. Et de se dire, alors je vais communiquer de. Et c'est ce qui va faire que je vais me différencier de l'autre. C'est tout. Waouh. Excellent, Voilà. excellent Aurélie. Donc, pour reprendre, il n'est jamais trop tard. Et ce qui fait la différence, c'est pas de partir à l'avance, mais c'est de partir avec une histoire, avec son histoire et de toucher les cœurs, hein, finalement. C'est l'aspect émotionnel qui fait la différence, en tout cas au départ. Exactement. C'est vraiment l'aspect Parfait. et ça se passe. D'ailleurs, en parlant d'émotion, c'est vrai que aujourd'hui, on a parlé de valeur et ça a été aussi le cas depuis hier. On a beaucoup parlé de valeur. Et toi, aujourd'hui, tu as donné quand même beaucoup de clés. Tu as donné des clés au niveau de l'entrepreneuriat. Et dans toutes ces clés, elles sont attachées aussi à des valeurs, Aurélie. Tu as des valeurs qui te sont chères et qui te sont importantes.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, Alors, est-ce déjà, que c'est toi, la foi chrétienne. Oui, et est-ce que tu pourrais même partager, si tu devais résumer trois valeurs, en tout cas qui te sont chères, ce serait lesquelles? Ce serait quoi tes trois valeurs à ce niveau-là, Aurélie? Alors, moi, ça serait l'intégrité, le respect et la loyauté. Waouh, tu m'as dit ça instantanément et alors à tous, hein, on n'avait pas préparé l'émission pour poser cette question, c'est du spontané. Alors tu m'as dit intégrité, Loyauté, respect, loyauté voilà, et respect. et respect. Waouh, waouh. Intégrité, loyauté et respect. Alors, pourquoi j'ai répondu du tac au tac? Parce qu'encore hier soir, on en parlait, je disais le respect, pour moi, c'est une valeur essentielle. C'est une valeur essentielle de tous les sens, c'est-à-dire du haut vers le bas, de gauche vers la droite, de façon latérale, horizontale, avec les gens avec qui je travaille, qui sont sous ma responsabilité, mais même avec mes clientes, etc. En fait, c'est quelque chose qui ne peut pas manquer chez moi. C'est vraiment pas, c'est pas possible. Quelqu'un qui me manque de respect, elle peut pas travailler. Quand même une cliente, je vais préférer la rembourser plutôt qu'on bascule dans le manque de respect. Ça, c'est voilà. Et moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Lorsque je vais prendre mes collaborateurs à compétences égales, je vais préférer celui qui sera intègre et celui qui sera respectueux. Wow. Même si l'autre a un peu plus de compétences, je vais toujours rester sur la loyauté, le respect et l'intégrité. Ça sera vraiment pour moi. Wow. Ça sera essentiel. Vraiment. Excellent. Alors, y a, ceux qui nous suivent depuis hier doivent voir qu'il y a beaucoup de points communs entre les entrepreneurs, en tout cas qui réussissent, en tout cas qui avancent. Parce que tout ce que tu viens de dire, ben, ça fait résonance avec ce qui a été dit par Pascaline et par Guy. Guy a pris même un exemple, il a fait part de ses trois valeurs et il a pris un exemple pour dire clairement, moi, si j'ai un candidat et qu'il n'a pas ces trois valeurs, en tout cas, je le mets de côté. Même s'il a des compétences de ouf, de fou, des compétences incroyables, je le mets de côté parce que pour moi, les valeurs, c'est primordial. Et à compétences égales, je prends celui qui a les valeurs que celui qui a les compétences. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Parce que Et lorsqu'on c'est ce fait. que tu viens de dire, effectivement, quoi. En tout cas, on a Exactement. bien pris note. J'ai une dernière question pour toi d'un internaute que je trouve très intéressant, puisque apparemment, c'est une personne qui te suit. Et tu as parlé de collaborateur tout à l'heure, et la personne dit, mais comment tu as réussi à créer une équipe aussi soudée, aussi performante, et sur laquelle tu te reposes apparemment fortement? Parce qu'apparemment, c'est une de tes marques de fabrique, ton équipe. Ton équipe. Alors, bon, c'est une question qu'on me pose souvent. Franchement, c'est une question qui vient souvent. Et Ah, d'accord. Ok, bah, je veux bien entendre la réponse parce que moi, je la connais pas, la réponse. vous serez surpris, mais je donne toujours la réponse de Jésus et ses disciples. C'est-à-dire que je crois en la loi de l'attraction, mais je crois aussi en la force de la prière. Et ma prière, c'est toujours, Seigneur, si tu m'as donné cette destinée, donne-moi les partenaires de destinée, les personnes qui vont soutenir et tenir la vision. Et c'est vraiment le cri de mon cœur parce que je crois que nous sommes interdépendants les uns des autres. En fait, on s'emboîte les uns dans les autres. Et il y a celui qui a la vision, mais c'est comme le bateau, hein, il y a les cabines, il y a tout, mais en dessous, il y a aussi les hélices. Et mon cœur, c'est toujours, Seigneur, si tu m'as donner la vision, tu vas me donner la provision. Et la provision, ce sont les ressources humaines que j'ai. Donc, je ne peux pas donner un autre secret que ça, parce que ça, c'est mon secret. C'est vraiment un cri de cœur que j'ai tout le temps. C'est, Seigneur, accorde-moi d'avoir les personnes que toi, tu avais préparées d'avance pour m'aider à accomplir ce que toi, tu me donnes dans ma vision. Et c'est vrai qu'après, la deuxième chose, c'est qu'il faut attirer les gens, mais qu'il faut aussi savoir que les gens qu'on nous donne ont du potentiel, ont du talent. Et le but, c'est que quand on a des collaborateurs qui arrivent, ils arrivent souvent à l'état brut, comme des diamants. Et il faut savoir les tailler, il faut savoir faire sortir leurs dons, leurs talents. Et c'est ce qui fait que justement, cette équipe, elle devient de plus en plus effective et puissante. C'est vraiment
libérer leur potentiel, quoi, voir en eux leur potentiel, croire en eux même plus qu'eux-mêmes et les mettre dans le bon couloir et leur dire ça, t'es capable de faire. Moi, j'ai vu des collaboratrices qui sont arrivées et qui ne savaient pas faire X, Y et Z, et puis tu prends le temps avec elles, tu leur parles, tu leur dis ça, je crois que tu peux le faire, tu les challenges, tu prends le temps avec elles, et finalement, elles découvrent en elles un potentiel qu'elles pensaient ne même pas exister, et puis finalement, tu vois qu'il y a, c'est comme un feu d'artifice qui sort. Et forcément, ça ensuite, elle le met à ta disposition, puisqu'elle se rend compte que c'est au travers de cette plateforme qu'elle s'est, je vais dire, découverte. Donc, c'est vraiment aussi prendre soin des gens qu'on a, prendre soin des personnes qui viennent autour de nous. Donc, ça, c'est mon secret. Merci d'avoir partagé ton secret. Alors, pour ceux qui se posaient encore la question, mettez en application. Mettez en application. Et dis-moi si je peux me permettre, je parle beaucoup moi-même de l'intelligence collective, de l'effet de groupe, l'effet de mutualiser les ressources. Et toi-même, tu as utilisé le terme interdépendance. Et il est clair hein, qu'on ne peut pas réussir seul. On ne peut pas avancer seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça que ça me fait toujours rire le self-made, self-made millionnaire, self-made, etc. Après, c'est vrai que c'est très marketing. Et quand on dit self-made, c'est plus dans le sens où je ne suis pas de cette formation universitaire où je n'ai pas hérité de parents riches. Mais le self-made est aussi biaisé dans le sens où on se fait se fait pas seul. On a toujours besoin de personnes qui ont. Moi, il y a plein de choses dans mon business où j'ai l'idée, et moi, c'est tout le temps ça, j'ai l'idée. Cette idée, elle va faire l'état d'idée. C'est elles qui vont réussir à faire que cette idée va prendre vie. Donc, on n'est pas self-made, pas du tout. Pas du tout. C'est très marketing et communication. C'est très marketing, hein. Des fois, j'utilise, mais il y a un gros biais dedans. On n'est pas self-made. Ouais, complètement, C'est pas complètement. possible. Parfait, parfait. Alors, JFK je regarde. disait que. Oui. Vas-y, je t'en prie. Ah, je disais, JFK disait, l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Donc, je crois que tout est dit. Waouh, l'art de la réussite est de s'entourer des meilleurs. C'est savoir s'entourer des Waouh, meilleurs. c'est juste excellent et comme tu dis, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Je dirais moi une autre citation de Steve Jobs qui est que si je n'ai rien à apprendre à la personne, je ne la prends pas avec moi. Yes. Yes. En tout cas, une chose est sûre, on arrive à la fin effectivement de cette, je ne sais même pas comment expliquer quoi. Je ne peux pas dire si c'est un témoignage, si c'est un cours, si c'est ce webinaire, mais en tout cas, on arrive à la fin de ton intervention hein, pour faire plus simple. Et waouh, merci beaucoup parce que. Alors, ce qui me marque, hein, ce qui me marque, je te l'avais dit au téléphone, effectivement, c'est ton humilité, ta simplicité. Et quand on voit le parcours, quand on voit mais ce que tu as réalisé, ce qui a été permis, ce qui a été fait à ce jour, mais on se dit comment on peut rester aussi simple, aussi humble comme toi là. Tu nous parles librement, simplement. On fait l'interview sans artifice, sans côté. Waouh! Je dis waouh! Comment rester, on va dire, avec cette simplicité en ayant fait autant de choses? Dis-nous tout. Comme je dis, hein, j'ai des valeurs chrétiennes. Du coup, je me dis, ce que je le fais pas par moi-même. Donc, il y a aucune façon de. Il y a une coupure. Allô, 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 on a perdu Aurélie, mais en tout cas, elle va revenir. En attendant, Aurélie nous a fait part quand même de son côté simple, de son côté naturel.
Et cela vient de ces valeurs chrétiennes. C'est cette force de faire preuve d'humilité et de toujours rendre grâce, en tout cas, au Père qui lui donne cette possibilité de faire ce qu'elle fait et d'être ce qu'elle est et de rendre toute la gloire à Dieu, quoi. En tout cas, voilà cette simplicité, cette humilité dont elle fait part. Et c'est cela aussi qui nous permet de ne pas s'enorgueillir, de ne pas s'enfler et de ne pas tomber, on va dire, dans les travers, dans ce que nous réalisons lorsque les choses se passent très bien, lorsqu'on commence à être mis sous les feux des projecteurs. C'est pour ça qu'il est important de rester vraiment humble et simple dans ce que nous faisons, que nous ayons ou pas la réussite, et encore plus de l'être ainsi quand nous avons cette réussite, quand nous avons effectivement les choses qui se passent bien et que nous sommes sous les feux des projecteurs. En tout cas, on va attendre que Aurélie nous revienne par rapport à cette coupure réseau. Mais une chose est sûre, on a été vraiment édifiés. En tout cas, pour vous, je ne sais pas, mais moi, je l'ai été. Et je vous invite vraiment à réécouter, réécouter. Et j'espère que vous avez pris note. J'espère que vous avez pris note quand même de ce qui a été dit. Alors, elle a donné quand même beaucoup de clés. Elle a donné beaucoup de clés par rapport à ce qu'elle a mis en place pour réussir. Et puis, les conseils qu'elle donne aux entrepreneurs et porteurs de projets. Elle a donné effectivement comme clé le fait de se former, c'est la base de tout. La formation est l'étape numéro un. Et cette formation ne passe pas simplement pour se dire de retourner sur les bancs de l'école, de retourner à la fac, à l'université, faire une école de commerce ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment se former par la lecture, se former par des conférences, se former par des webinars, se former. L'auto-formation en regardant et en s'inspirant de ceux qui ont déjà fait le chemin qu'on veut faire nous-mêmes, en ayant été inspiré par des personnes qui sont dans des domaines d'activité, qui ont réussi, en s'entourant tout simplement de personnes qui nous donnent des conseils, des mentors aussi, qui sont là pour nous aiguiller. Voilà, ça c'est l'univers de la formation, mais c'est cette formation-là qui permet ensuite de passer à l'action. Et elle a parlé dans les actions, c'est d'avoir un plan stratégique dans ce que vous faites, c'est d'avoir une stratégie dans ce que vous réalisez, ne pas partir n'importe comment, c'est définir ce persona, ce client cible, et savoir où il est pour pouvoir le contacter. Ne pas aller sur des réseaux sociaux pour aller et suivre le phénomène de mode, les réseaux sociaux, je vais sur Facebook parce que ça marche, Instagram parce que ça marche, non. Ça ne va pas marcher si vous êtes dans une activité professionnelle qui touche des professionnels. Vous faites fausse route en allant sur ces voies-là. C'est sur LinkedIn qu'il faut aller. Et c'est là que vous allez trouver vos clients. Donc la stratégie, elle est importante. Et elle a parlé aussi d'un autre aspect, c'est d'être expert dans ce qu'on fait. Elle a parlé de la loi des 10 000 heures, le principe des 10 000 heures, c'est arriver à un stade. Le cerveau enregistre qu'on l'a fait tellement de fois, tellement, tellement à une fréquence régulière que ce qu'on finit par faire, on le fait de façon experte. Et c'est ça qui fait, c'est cette expertise, c'est ce côté-là qui va vous démarquer de tout le monde, qui va vous faire passer à un stade supérieur et où vous aurez de la considération et où vous serez démarqué en fait de tout le monde. Voilà. Donc c'est ce côté expert, travailler, travailler toujours sur. Ce que vous faites bien, faites-le encore pour le faire mieux et faites-le encore pour être le meilleur. Voilà, c'est un cheminement. Et elle a donné pas mal de bases, mais bon, voilà, retenez déjà ces trois principes. Elle en a donné tellement, mais c'était juste waouh. Voilà, j'espère qu'elle pourra revenir, en tout cas nous saluer pour nous dire son mot de la fin. Prenez vraiment note de ces différents conseils. Et elle a dit aussi qu'il n'était pas trop tard. Il n'était pas trop tard pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent aller dans le digital. Il n'est pas trop tard. Votre histoire, c'est votre histoire qui va faire la différence. Et votre histoire, il n'y a pas de retard dans votre histoire. Vous n'êtes pas en avance, vous n'êtes pas en retard. Votre histoire, on l'apprend au présent. Alors n'hésitez pas à parler de vous et de jouer sur l'aspect storytelling de votre histoire pour toucher le côté émotionnel des personnes. Et elle a bien expliqué, hein, le côté émotionnel, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui pousse à l'achat. Et c'est ça qui fait que on vous suit, c'est ça qui donne envie
d'acheter peut-être vos produits. Avant d'acheter vos produits, on vous achète vous. Et vous, si vous racontez une histoire qui marque, qui touche effectivement les émotions, ben, votre produit se vend naturellement. En tout cas, votre service aussi se vend naturellement. Donc, c'est capitaliser là-dessus, sur vous. N'hésitez pas à raconter des belles histoires. Et je dirais même, en tant que si vous êtes chrétien et si vous croyez en Dieu, n'hésitez pas à faire part de votre témoignage, qui n'est pas une histoire et qui fera aussi toute la différence. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir ben, suivi cette conférence depuis vendredi à ce samedi soir. La prochaine fois, et je ne dis pas la prochaine fois, je dis bientôt, bientôt. On vous promet des belles choses. Et en tout cas, j'espère que vous avez retenu ces clés, les clés qui vous ont été données par les différents orateurs, et que vous allez vous propulser dans votre destinée. Voilà. Alors, moi, mon vœu le plus cher, mon souhait le plus cher, c'est que ceux qui sont aujourd'hui porteurs de projets passent à l'action pour devenir auto-entrepreneurs. Et à tous les auto-entrepreneurs qui nous suivent et qui sont sur cette plateforme depuis maintenant 2 jours, ben, qu'ils passent purement entrepreneurs, qu'ils enlèvent le auto. Auto, c'est limité, c'est plafonné. Là, passer à la dimension de entrepreneur. Voilà. Et entrepreneur, ce que je vous souhaite à vous tous, c'est de passer à un stade entrepreneur multinational. Multinational. Que vous n'ayez pas juste votre entreprise, mais que vous ayez des filiales, que vous ayez des succursales, que vous ayez des franchises, que vous ayez, voilà, que vous rayonnez aux quatre coins du monde. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous. Et ben écoutez, on se dit à bientôt. Et puis n'hésitez pas à faire vos témoignages vous-même. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous dire, voilà, telle clé a été mise en place. Je suis arrivé à tel niveau. J'ai mis ça en place. Il s'est passé telle chose. Il y a eu tel déclic depuis cette conférence. Ça m'a permis à passer à tel niveau. N'hésitez surtout pas à partager, à témoigner. Ce qui va être dit par votre bouche va toucher peut-être le cœur de quelqu'un et va peut-être créer ce déclic, va créer la, la va faire la différence à cette personne qui aura entendu ce message que vous aurez porté. Voilà. N'hésitez pas. Et puis, ben, merci à tous les internautes. Merci à tous ceux qui étaient sur YouTube, à tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux. C'était un soutien très important de votre part pour cette première conférence digitale organisée par le mouvement Allez. Et je tiens à rappeler que le mouvement Allez, ben, c'est un réseau d'entrepreneurs et de porteurs de projets attachés à des valeurs et créant de la valeur. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations, à vous connecter ou à laisser vos coordonnées sur les différentes pages des réseaux sociaux du mouvement Allez, Facebook, Instagram. Et également, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.mouvement-du-milieu-allez.com, Allez, Aller. Aler, voilà, .com. Alors, aller, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Aller, c'est un acronyme pour dire assembler des leaders et des entrepreneurs du royaume. Voilà. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas évoluer seul. Et si vous persistez à évoluer seul, vous allez plafonner très rapidement. Mais pensez équipe, pensez ensemble, pensez interdépendance. Pensez collectif et vous allez voir que vous allez aller encore plus loin, vous allez aller encore plus haut et que ce sera bien mieux pour vous, mais aussi bien mieux pour l'ensemble que nous formons. Voilà. Merci. Merci d'avoir suivi effectivement ces 2 jours de conférence. Je vous dis à très bientôt et puis bah, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.
Thank you.